que cherchent-elles nos âmes ? À voyager ainsi sur des ponts de bateaux délabrés, entassés parmi des femmes blêmes et des enfants qui pleurent, que ne peuvent distraire ni les poissons volants, ni les étoiles que les mâts désignent de leurs pointes, usés par les disques des phonographes, liés sans le vouloir à d'inopérants pèlerinages, murmurant en langues étrangères des miettes de pensées. Mais que cherchent-elles nos âmes ? À voyager ainsi de port en port sur des coques pourries, déplaçant des pierres éclatées, respirant la fraîcheur des pins plus péniblement chaque jour, nageant tantôt dans les eaux d'une mer et tantôt dans celles d'une autre mer, sans contact, sans homme, dans un pays qui n'est plus le nôtre, ni le vôtre non plus. Nous le savions qu'elles étaient belles, les îles quelque part près du lieu où nous allons à l'aveuglette, un peu plus bas, un peu plus haut, à une distance infime.